dit, allez, pas, vous avez le fait, vous n'êtes pas disponible. Non, bah, vous dites, ça n'a pas empêché les négociations, en fait. Peut-être qu'il a commencé jeudi, il a commencé jeudi, il a commencé l'autre, est-ce que c'est le 13, est-ce que c'est le 14? D'autres, en plus, nous tous, t'es d'accord, que ce soit l'opposition, que ce soit le 21 décembre, nous t'es d'accord que c'est CARICOM qui a déterminé qu'il ait à commencer négociation, parce que sur le plan logistique, CARICOM et le gouvernement, ils ont gagné, puis ils ont été d'accord pour qu'ils connaissent qui lieu et comment négociation a fait et qui leur a commencé. Il y a un parti politique dans tout la valasse et d'autres partis politiques qui l'ont signataire, groupe 8, Kingston, Lavalas dit en clair, il fait déclaration lui-même, il parle en négociation. Et il y a deux autres parties encore qui peut-être pas déclarer, qui dit eux-mêmes, ils parlent en négociation. Donc il se trouve que. Ils parlent en négociation, bien en démission. Ils parlent en démission. Ils parlent en négociation, mais ils parlent en démission. Donc où est que les questions posées maintenant, ça veut dire, c'est l'autre, ouais, c'est l'autre question sensationnelle là, mais on ne pas parler de Lavalas, au parti politique qui vient pignon sur lui, qui fait une déclaration ça. Et de l'autre parti, on va chercher contre qui est là-dedans, dans 8 parties, 3 de la partie dit déjà, il n'y a pas la démission Ariel Henry. Donc, dans ce sens, ça, nous-mêmes, qui étions là pour 21 décembre, nous dit que pas de sujet qui tabou, tout sujet qui est sous table là. Cependant, c'est ça mon envelé, ces négociations qui doivent dire, normalement, résultat maintenant. Mais nous-mêmes, là, 21 décembre, nous, la négociation, nous parlons de démission Ariel Henry comme Premier ministre. D'autant plus que nous disons en clair, aujourd'hui, nous avons besoin d'apport tout le monde pour nous capables de mettre nous d'accord, pour nous joindre les moyens nécessaires pour nous mater la question gagnant, pour nous joindre sécurité, pour nous aller aux élections. Mais question démission Ariel Henry, mais nous connaissons très bien, depuis 2 ans, Montana, son seule chanson, son seul refrain, il faut que Ariel Henry démissionne. Donc, bah quoi ça, ils sont nouvelles pour personne, parce que c'est le refrain de leur de la chanson de Montana. Qui côté vous pensez de partir capable de vivre bon, entendu? Il y a des points où l'agenda bien établi avec un code du jour. Eh ben, on croit que l'on paraît la négociation, parce que la négociation veut dire quoi? Donc, n'a pas sauvigné avec la et pas avec le sorti. Il y a des points, n'a pas marché contre l'un l'autre pour nous faire un consensus. Nous-mêmes, la 21 décembre, c'est ça nous voulons. Non, sur côté, déclaration, ancien sénateur Sorel Jacinthe, qui t'a parlé sur processus dialogue entre pouvoir de facto à composition, sous initiative CARICOM, qui te prévoit continuer je ne m'a dit, mais qui pas capable de faire encore. Ancien parlementaire qui proche, gouvernement de facto pas capable de dire, ni qui le, ni qui côté, il y a pour reprendre négociation. Yo. Même délégation CARICOM qui gagne quelques personnalités éminentes qui regroupé dans groupe personnalités éminentes j'en dit là exprimer déception yo pour Jean Code l'arrêté red en divers acteurs sous position yo dans crise là après finissement mission 7 jours CARICOM nan qui pas sorti à rien pratiquement d'après déclaration yo fait et puis ça nouvelle nous prend connaissance groupe personnalité éminent sa yo di yo toujours paré pour yo ta jouer rôle mitan jouet dans toute tentative pour joindre une solution à crise pays a après toute rencontre yo pa gen aucun compromis politique qui joigne sa plusieurs acteurs te déjà prévoit à cause comportement Ariel Henry qui voulait tout pour lui ça c'est considération coordonnateur Konanan Edouard Poltre ancien député Serge Jean-Louis membre FND Fond National pour démocratie qui était déjà mission cap échoué on suit un reportage à collaborateur nous Bito Vincent François fils groupe la gueule là-dedans, gros personnalité qui sorti dans pays dans CARICOM nan, Tankou, Jamaïque, Bahamas ak Sainte-Lucie. Yo noté yon régression considérable dans position quelque parti qui sous table discussion hein et qui t'a exigé démission sans condition Premier ministre de facto Ariel Henry dans un contexte qui marqué à détérioration tête chargée climat sécurité dans Port-au-Prince ak dans diverses zones dans pays a dans environnement politique ça qui paraît plus malouk chaque jour. Si t'a parlé dans rôle mitan jouet ak groupe te vin réduit à cause l'état qui te gagné nan fixé conditions sous quantité moun qui doit assister l'autre phase discussion yo
Yo te jwenn yon akòd sou modalite reyinyon yo apre chita pale ak PM de facto a, reprezentan akòd 21 Desanm, deklarasyon tèt ansanm Kingston ak sosyete sivil la dapre sa deklarasyon CARICOM nan te raple. Faz negosyasyon sa, se group personalite eminan EPG ki te fasilite l. Avèk determinasyon, bon jan volonté ak lide pou se entere peyi a ki anvan, yon solisyon ta dwe jwenn pou remete peyi a sou chime konstitisyon ak demokrasi se déclaration membre groupe EPG a Fok nous dit coordonnateur Conan Edouard Poultre lui-même qui t'a réagi sous échec qui gagne dans négociation ça yo insister pour dire pays a pas dirigé à cause gang prend pays a divers côtés Edouard Poultre l'on regarde bien yo yon principal acteur ça yo pas bougé c'est pas opposition qui opposé à 21 décembre non seulement ni gouvernement pas bougé ni international là pas bougé non plus d'ailleurs si international là t'es bougé et gouvernement t'a bougé tout ou comprendre t'a obligé bouger puis gars personne vienne pointer du doigt c'était le groupe qui pas voulait joindre entente etc c'est pour tout le monde mettez au d'accord que pays a pas gouverné pays a gang multiplié là dans gang a fait quinquin yo fait ça yo voulait yo occupé territoire yo voulait et puis qui est-ce qui est responsable question ça est-ce que c'est opposition qui fait gang ou est-ce que c'est yo gen responsabilité pour gérer sécurité pays c'est gouvernement faut que nous songe groupe ça cap jou rôle mitan jouet là t'es présent dans pays à 4 septembre passé a pour yon mission 7 jours dans l'idée pour joindre une solution dans crise ça qui vinn pi terrible yon nan membre Fonds National pour Démocratie FND ancien député Serge Jean-Louis renouvelé yon l'autre fois encore position FND pour faire connaître négociation ça yo pa tap abouti ak rien c'était un véritable échec d'après ancien parlementaire m'a rappelé tout simplement parce que position au niveau du FND Fonds National pour la Démocratie était très clairement exprimé depuis dossier Haïti a sorti dans Nations Unies li tombé dans CARICOM nan en passant par les États-Unis le Canada l'OEA et autres, on te prévoit que pas de cap sorti. Qui j'en prends dans cet assorti devant Conseil Sécurité Permanent des Nations Unies, il n'y a pas résolu, il n'y a pas pris position sous lit, position clairement sur lit pour résoudre, et puis il descend ni dans le pays de CARICOM, organisation régionale, pas de contre ça, puisque Haïti est membre de la CARICOM, des pays frères, des nations sœurs, mais quand même, nous même, nous très clair, CARICOM pas qu'à résoudre. Là. Yo pour échec Jamaïque, yo vin en Haïti, yo pour échec yo tenez et yo pour échec. Non te prévoyez. N'ap souligné en pile moun te wè c'était yon échec. Le compte qui te déroulé dans Jamaïque entre pouvoir ak allié et puis quelques striti politique ak membre dans société civile là dans mois de juin passé ya. En pile moun observé premier ministre de facto a qui gagne en position prenne fait pas c'est principal élément blocage négociation qui t'est en main en divers acteurs sur initiative membre délégation CARICOM nan. Groupe Montana sous Bopal t'a encouragé émissaire CARICOM yo sous nécessité pour négocier ak Henri sous condition pour quitter pouvoir à cause position complice li gagné dans climat latéral pays à vivre dernier temps sa yo depuis plus passé yon l'année CARICOM toujours a rencontré même acteur yo alors que crise la vin pi terrible Beethoven's François Fils Kiskeya. Au top côté reportage collaborateur nous Beethoven San François Fils sous dossier CARICOM nan côté membre délégation CARICOM qui gagne quelques personnalités éminentes qui exprimaient déception yo pour Jean Codelard était red en divers acteurs sous position yo nan crise là après finissement mission 7 jours CARICOM nan qui pas sorti ak rien pratiquement gen professeur Josué Mérilien capable diriger et combite li fait connait CARICOM pas capable porter aucune solution dans crise là parce que CARICOM c'est sous l'ordre pays États-Unis l'a travail il considéré qui c'est l'ennemi numéro 1 pays d'Haïti d'après syndicaliste là réponse lancée dans main population c'est lui qui pour faire solidarité pour casser violence gang yo à plan l'en mort li dit qu'au groupe gagnant pour population
yon lot pa, professeur Méridien salué solidarité paysan yo qui pa prend nan craponay nan continuer fait canal sur rivière massacre là. Li condamné tout comportement resté avec Lidi gouvernement gagné qui pa fait rien ni pa dit rien tout devant menace République dominicaine fait alors que bon côté dominicain yo yo déjà prend 11 prises sur rivière massacre là. N'a côté déclaration professeur Josué Méridien qui répond question radio Télé Kiskeya. Nous avons dit ça mercredi dernier. Nous avons souhaité CARICOM pour ton réponse. Il y a un résultat. Mais nous voyons que dans ces gens, il y a des questions. Pas de réponse qui a voté. Pas de résultat qui nous attend. Nous disons que pour un résultat, il faut que CARICOM a changé de posture. Pour la petite grand monde, c'est comme pays frère la Caraïbe, gros pays qui a un problème. Et puis, ils ont réuni la solidarité en zone pour des solutions. Mais là, c'est Américain qui derrière question CARICOM. C'est Américain qui a financé tout le bagage. Donc, c'est sur l'homme américain CARICOM travaille. Donc, américain, c'est l'ennemi numéro un pays. Donc, on ne peut pas espérer que CARICOM va avoir aucune réponse. Donc, réponse, c'est la même population liée. La même population dans tout le quartier qui veut organiser pour nous résister et pour nous, d'ailleurs, casser la chaîne de la mort que les Américains, comme vous, étaient là pour nous créer la vie, pour suivre la vie, pour nous casser la violence de gang, empêcher d'avancer. Ça veut dire que solidarité qui fait dans tout le quartier, il y a frappé solido. Je vous dis, il n'y a pas de frappé solido. C'est ma question de solidarité. Il faut tomber. Je vous dis, il faut une bataille. Solido Kembe, solido Kembe. Ça vous fait reprendre, d'ailleurs, bataille encore pour que nous avons un pays que nous avons vivre. Donc, mon donne là, c'est solidarité, tout quartier, c'est résistance, c'est organisation quartier, relation autodéfense quartier, pour nous joindre dans tout pays, la réponse que la belle là. Et pour nous faire sous les bons populaires, qui avons des réponses à sa milieu là. Donc, pas côté sur CARICOM, pas côté sur l'ONU, pas côté sur Américain, parce que tout le monde est en face nous. Donc, c'est nous-mêmes, peuple là, qui avons souffert, qui avons couru qui est caillou, qui doit arranger nous, pour les épaules, pour nous faire sous les bons populaires, qui doit bailler la réponse qu'il a cherché. Là, fini avec ce qui a passé. Non, et voilà maintenant. Nous apprenons que les républiques dominicaines, il y a 11 côté, l'État arrangement pour que clôt, massacre là, al aux tels, pour qu'il y ait agriculture qui florissant. Pour la première fois, côté haïtien, a essayé pour dire, lorsqu'il y a de l'eau, pour vous êtes terreux, nous avons un camp propre, pour le dire, mais cela fait extérieur, la prendre sanction, etc. Et nous avons un gouvernement, reste avec, qui va lever un petit doigt pour paysans, qui besoin de l'eau, vous êtes terreux. Que le capot manger pour manger. Une eau condamnée à titre de gouvernement et pour les solidarités, bye. Et pays de Sayo qui engageait nos batailles citoyennes, nos gros batailles d'adie nationale pour arriver à permettre que même le rue Bassad qui a arrosé terre dominicaine, nous voulons manger, nous exporter, nous avons le droit, nous-mêmes, comme haïtiens, pour utiliser le sartou pour arroser terre nous, pour qu'on manger, pour que nous suspendions à acheter nos mains dominicaines. Mais c'est ça, il nous faut pour les solidarités, bye pays de Sayo et tout pays en net, on courait mon ça que yo rivé fait canal là et je de l'eau pour étaient yo pour qu'a produit manger pour pays. Non, saut de côté déclaration professeur Josué Méridien qui t'a parlé dans une conférence pour la presse. Côté dit fait qu'on est CARICOM pas capable porter solution dans crise qu'a brassé le pays parce que lycée sous l'ordre États-Unis, il y a travail et le considérer États-Unis comme ennemi numéro un peuple haïtien. Professeur Méridien qui t'a tout profité parler de ce qui a passé dans Wanamet côté l'État haïtien par moyen dirigeant de facto yo yo pas levé le petit doigt. Il n'a pas dit rien sous menace qui gagne et c'est président dominicain Luis Abinadel a proféré pour forcer autorité haïtienne yo camper sous projet construction yon canal sous rivière massacre. Dans une conférence pour la presse mardi 12 septembre dans Delma 41, membre Alliance Pepio fait connaître pas gain aucune solution qui possible avec docteur Ariel Henry dans tête gouvernement. Coordonnateur national adjoint Didier Benel fait connait seul moyen pour joindre alternative c'est révoquer puis arrêter docteur Ariel Henry. Li critique gouvernement, il dit qu'il crase pays a pour capable justifier intervention militaire et puis pour capable faire plus temps sous pouvoir. Didier Benel fait connait c'est un vrai consensus que les épaules nous capable joindre une solution à crise là. On écoute déclaration coordonnateur national adjoint Didier Benel dans micro radio télé Kiskeya. Après autant de massacres et de corruption, Ariel Henry fait dans le pays. Je dis à nous-mêmes, je nous dis au niveau Alliance Peuple, pas aucune solution qui possible avec Ariel Henry. Il est clair que je dis à toute solution qui pour retirer et pour nous joindre, qui pour retirer Haïti côté lié, il doit passer par démission et arrestation Ariel Henry. C'est le moyen qui peut permettre que nous joignions une alternative, un vrai consensus pour nous capables de doter le pays non seulement de un gouvernement avec un leadership partagé et éclairé dans
dans le pays pour nous capable gagner ça nous relait une bonne gouvernance pour nous capable doter pays de sécurité pour nous capable doter pays de élection et pour nous capable permettre ensemble des mouns qui quittent caillou. Alors Ariel avec équipe li met mouns ensemble des mouns qui ont mis dehors la caillou pour nous capable permettre mouns ça yo de retourner la caillou. Pour nous capable tout permettre ensemble des mouns qui vivent dans la diaspora qui gagnent bien yo ici en Haïti. Non seulement jodi a ensemble des mouns avec zam ou bien gens que gouvernement en place ça li gangsterise pays a, li fait que ensemble des mouns ça yo pas ka rentrer dans pays a. Non seulement yo pas ka venir mais yo voler ça yo gagne pas ka venir. Mais yo volé ça yo gagné tout comme bien dans le pays et pour nous permettre que moun soit capable de récupérer bien yo. Et désormais nous dit peuple a pas gagné pour courir pour bandi ni tout pas gagné pour courir sous yo. C'est ça que nous même nous gagné pour nous faire aujourd'hui, c'est concentrer nous et mettre nous ensemble pour nous capable bataille pour nous retirer gang Misoa. Parce que tout autant nous accepter que c'est gang Misoa qui toujours là cap diriger pays a, n'a toujours gagné pression bandi sous nous, n'a éliminer bandi jodi, n'a gagné bandi demain. Et c'est ça fait nous dit nous même on va alliance nous clair sur ça, nous pas pour nous passer par quatre chemins pour nous solutionner ça gain là comme problème, c'est gang Misoa pour nous retirer qui gagne Ariel Henry qui dans tête qui cap diriger. Automatiquement nous éliminer gang Misoa, laisse ça tout citoyen a capable non seulement retourner la caillou, si moun yo a capable retourner dans salle de classe yo parce que si moun coupé fâché avec l'école yo depuis l'équipe ça arrivé sous pouvoir parce que pas oublier nous tout nous connaissons. Ensemble des moun ça depuis que yo là, y a terrorisé population haïtienne. Yo fait pays a yo yo mette Haïti en feu et en sang juste pour yo capable justifier yon quelconque intervention militaire. Pour faire qui ça? Juste pour yo même pour yo capable passer plus de temps sous pouvoir, juste pour yo capable faire 2-3 green good en plus. Mais c'est population haïtienne non, c'est citoyen yo, c'est ensemble des professionnels dans la société qui fin quitter pays ya, et nous toujours dit, pas gen aucun pays qui ka développé sans ressources humaines. Mais je dis à nous, tout le monde qui a l'école ici dans Haïti, yo tout presque quitté pays ya, même gens Duvalier te konfèl font ensemble d'intellectuels couri quitter Haïti. Et je dis à c'est dans même bagage ça que nous retournons encore ici dans Haïti. Mais c'est ça que nous dit, faut bon coup d'à coup qui fait, faut gagner un coup les épaules qui fait pour nous capable permettre que nous retirer pays à côté lié. Non seulement nous venons un gouvernement avec un leadership partagé, mais pour nous capable permettre de rentrer dans l'élection pour doter pays à nous ensemble des dirigeants légitimes. Là nous tout connaît toute institution qui gagne dans pays à sa matérialité commence à manger, sa Jovenel vini li fin manger et Ariel fin fini avec tirer sa net parce que depuis avant assassinat Jovenel en dans pays a pas de aucune institution qui était resté debout équipe PHTK ni premier ni deuxième ni troisième version yo manger toute institution qui gagne en dans pays a. Ça veut dire faut que nous goumer, faut que nous bataille non seulement pour nous remembrer institution mais pour nous remettre au campé. Au tap côté déclaration coordonnateur national adjoint Alliance Pepio Didier Benel lui-même qui fait connaître pas gain aucune solution qui possible avec docteur Ariel Henry dans tête gouvernement. Didier Benel fait connaître seul moyen pour joindre une solution dans crise là c'est révoquer et puis arrêter Ariel Henry côté le critiquer gouvernement. Il dit qu'il crase pays a pour capable justifier intervention militaire et puis pour capable faire plus temps sous pouvoir. Bon côté parle gain coordonnateur national Alliance Peuple, Jean Fritznel, Pierre Louis, il dénonce le projet L'Amour Peuple Haïtien. Il dit que l'Occident bail Ariel Henry géré. D'après ça, il déclare le projet ça, que la cause haïtienne a touillé l'une l'autre, je ne jeudi, et qui paralysait tout le pays. Jean Fritznel, Pierre Louis, qui félicite le président, paysan plein Marie Baroyo, pour travail canalisation yo pa campé demandé acteur politique yo pour gérer intérêt yo mais plutôt pour yo accompagner population pour capable changer pays. Déclaration coordonnateur national Alliance Peuple Jean Fritznel Pierre Louis. Nous même dans l'Alliance Peuple nous non seulement encourager moun qui continue rester dans pays mais nous dire que moun qui rester dans pays aujourd'hui c'est héros nous parce que là nous connaît qui ça gagne dans pays là ka sorti là de là au niveau et yo mande au cob qui on pas jamais posséder dans vie ou que femme on va posséder et finalement on va travailler comme ça c'est tuer à tuer gagne les moun yo kidnapper yo violer yo faire faire des bagages que va jamais faire dans vie ou dans pays là et ça k'ap fait là qui pour bail qui fait comme si c'est un hasard c'est pas un hasard c'est deux projets qui gagnent bon projet que l'Occident à travers les États-Unis Canada la France, l'ONU, trois groupes, yo bay Ariel géré, qui c'est projet la mort, qui c'est projet désorganisé peuple haïtien, qui c'est projet qui empêche peuple haïtien évoluer la caille dans territoire.
global pour que nous pas en paix et projet ça fait peuple haïtien marcher dans coup fomi fou nous tout partout dans le monde n'a courir des milliers frères d'action ou a courir des milliers et des milliers de kilomètres à pied a fait des marathons pour passer des forêts pour passer des gros rivières pour prendre gros monde pour prendre Darien c'est des bagages graves parce que projet ça il porte désespoir pour nous projet ça il porte la mort projet ça porte zame dans quartier populaire yo projet ça fait jeune dans quartier populaire yo méchant il a échappé il a chiré il a tué il a kidnappé il a violé pour semblable yo pour frère nous pour sœur et projet ça fait que jodi a moun kanaran pas capable de kanaran projet la mort il fait moun peigner quitter peigner moun torsel quitter torsel moun quoi des bouquets quitter quoi des bouquets moun ka fou feuille nous te wè dans qui misère moun ka fou feuille projet ça fait moun belè a attaquer moun solino tuer moun solino mais projet ça c'est pour décourager jeunesse haïtienne là c'est pour décourager nous pour finir toute institution pays jodi a ouais projet ça pas veut l'école dans pays il pas veut nous gagner l'hôpital dans pays il craser force police nous gagner dans pays il craser et là nous t'a fait pour mettre la mer à camper à l'écraser alors ce qui notre projet qui c'est projet construction pays qui c'est projet côté jeune femme jeune garçon petite pays décidé pour mettre pays à camper pour retirer moun sa qui là pour retirer Ariel Henry dans tête pouvoir pays et projet ça nous web moun plein maribaou yo rentrer dans projet construction parce que ou comment y a bataille pour qu'ils font canal et pour porter de l'eau dans plein maribaou pour arroser plein dedans pour kabaou la vie et l'état dominicain mandé l'état haïtien pour camper projet ça et l'état haïtien d'accord et beaucoup j'aime saisir comme ça c'est là hier regardez mon délégation policière qui rivé dans plein maribaou au lieu population applaudit yo population relé chalbari derrière yo parce que la population a pas applaudi Bessap parce que depuis là au démarrer bataille là c'est soldat Bessap qui accompagne yo donc nous même dans peuple nous dit chapeau bas pour plein maribaou pour moun plein maribaou nous saluer force nous saluer courage avec conviction et nous croyons que projet ça qui porte espoir n'a demandé tout le monde toute force vive pays là toute force progressiste dans pays là qui capable mener bataille pour changer ça il y a une monter aucune association moun cap chercher manger moun cap courir aller Kingston pour mettre dans pile dans avion faire ou perdre dignité comme dirigeant politique je dis à nous demander que on fait hall de face retourner venir accompagner population pour nous bataille pour nous changer ça là parce que ça porte désespoir ça porte la mort ça c'est carnage qui porte et que je dis à nous même haïtiens nous pas comme ça pour on a déchiré l'autre on a pas fait l'autre on a tiré l'autre on a kidnappé l'autre donc nous même haïtiens nous croyons dans projet développement projet pour porter la vie bay moun. Nous, sur le côté, déclaration coordonnateur national Alliance Peuple, Jean-Fritinel Pierre-Louis, qui dénonçait le projet l'an mort peuple haïtien, il dit l'Occident by Ariel Henry géré. Il était profité saluer mobilisation population dans Wanamet qui campait une face pour être capable de défendre le projet construction canal pour sur rivière massacre pour arroser jardin dans pleine Maribao. Dirigeant la maître Renol Georges salue courage population Wanamet lan qui pas prend pression nan men Luis Abinadel malgré président dominicain passe yon vitesse supérieure nan menace liyo. Nan yon interview li bay Radio Kiskeya jounen madian maître Renol Georges déclaré li pas normal pour autorité dominicaine yo camper en croix contre construction canal sous rivière massacre lan alors que République dominicaine déjà prend 11 prises sous rivière. Dirigeant ala maître Renol Georges rend États-Unis responsable menace massacre militaire dominicain vle fait sous haïtien côté déjà yo déployé plusieurs chars blindés à gros am la guerre tout près haïtien cap construit canal là mais Georges estimé c'est embargo zam États-Unis mette sous Haïti qui la cause soldat dominicain penser yo capable envahir territoire noir Jean Yovle. N'a coûté déclaration dirigeant ala maître Renol Georges dans micro Vladimir Maurice Ridori. Nous-mêmes, dans l'Alliance pour la libération et l'avancement d'Haïti, nous voyons un gros bouquet de fleurs par le peuple Wanamet qui prend la décision de faire un canal pour nous aider sous propre terre. Rivière a passé sous terre, nous prenons prise là. Sous terre, nous ne pouvons pas ça nous fait personne mal. Alors que Dominique Yo même prend 11 prises dans de loi. Nous-mêmes, c'est pour la première fois depuis Haïti à Haïti, nous prenons autant de prises. Alors que mes couilles là, ils ont dit qu'ils fermaient les frontières, ils ont bloqué les visas. Bon, moi-même, je crois que la décision que Dominique Yo prend, son décision tête chaude, son décision qu'il prend contre propre tête, qui ne peut pas faire nous en rien nous-mêmes. Donc, je profite de l'occasion pour me dire au gouvernement américain qui mettait embargo, armes sur nous, côté nous, ouais, Dominicains, ils mettaient tout charblende, ils grillaient tout dans sur nous, puis ils dévoraient nous. Alors que nous-mêmes, nous n'avons pas de armes pour nous défendre. Nous sommes toujours plein ça.
de toujours dire son gros danger pour l'armée dominicaine. Avec tout policier qui a gagné, avec tout gros âme qui a gagné dans le monde, il y a un phare sous nous n'importe qui et nous ne pouvons pas défendre la tête. Et nous apprenons à l'Amérique responsable parce que nous avons parlé de Maïsie. Donc, ce disant, je salue le sénateur Wanik, je salue tout gros pasteur, tout gros et intellectuel, tout gros personnalité et tout pitié autour. Tout. On me dit au compliment, pas occupé Dominique, continuez à faire nous, parce que Gangoua est dans votre nous lié pendant votre palo. Donc, si vous n'avez pas besoin de l'argent encore, si vous n'avez pas besoin d'Haïtiens à travailler pour vous, parce que vous avez gagné deux fois, c'est nous qui avons planté pour vous, et puis c'est nous encore pour acheter dans le monde, et puis l'argent dans le monde. Donc, mes amis, encouragez, faites canal, vous êtes nous, pas occupé Dominicain, son bon petit monde désolé, ils ont réalisé ça, ils se calmeront de même. Ok, il y a fret pour quoi, pas occupé. Ou tap kote déclaration dirigeant à la maître Nol Georges qui salue courage population Wana Metlan qui pas prend pression nan men Luis Abinadel malgré président dominicain passé yon vitesse supérieure nan menace liyo. Nan interview li bay radio Kiskeya jodi madia, maître Nol Georges déclaré li pas normal pour autorité dominicaine yo camper en croix contre construction canal la sous rivière Massacre alors que République dominicaine déjà prend 11 prises sous rivière. Dirigeant Ala, li rend États-Unis responsable menace massacre militaire dominicain vle fè sous haïtien côté déjà yo déployé plusieurs chablende à Gozam la guerre tout près haïtien cap construit canal là. Que c'est au niveau de département de l'Ouest là, que c'est au niveau de département Antibonite là, eh bien nous rendons compte de qui ça dans RNDDA, c'est que un, c'est moun yo qui a débrouillé, gens yo capable pour yo prendre soin famille yo, c'est yo même qui a débrouillé, gens yo capable surtout pour si là yo qui blessé par balle pour yo aller joindre soin l'hôpital, même gens tout, c'est yo même tout famille yo moun qui déplacé yo cap débrouillé yo, gens yo capable pour yo déplacer aller en province de préférence. Maintenant, c'est dommage tout que l'état haïtien pas ramasser caractère face à phénomène déplacé interne, puisque juste ça a vu fait que gagner un pile d'informations chiffrées qui a circulé, alors que normalement l'État, à travers des organismes internes, est doué ben nous informations précises, parce que n'a pas parlé de une zone. C'est vrai que nous connaissons une zone qui était une population qui très dense. Donc je ne dis à tout au moins estimation de population, ça c'est information qui était disponible et partagée avec l'opinion publique là, pour nous connaître combien de monde que bandits ont obligé de déplacer. Il y a un véritable drame pour monde qui t'a vivre carrefour feu qui était obligé courir quitter Kayo. Ça que t'ai une chance là puisque d'après responsable programme dans RNDDH là gagné pour petit 101 monde bandit touillé, gagne deux autres qui disparaissent, 12 qui blessé à balle, 34 cailles boulées ou bien yo pillé yo et c'est un bilan qui est encore partiel et ça passé pendant l'état haïtien li comme si t'a dit fermer les yeux sur ça qui a passé dans carrefour feu pas vraiment bay assistance ak moun nan zone nan ni silayo qui était couri qui était zone nan pour pas de victime en bas mes bandits c'est pas seulement gouvernement ça qui la jodi an qui gen attitude ça Marie Rosie Auguste du Sénat rappelé depuis le te gen massacre dans la Saline en 2018 population te continué te commencé à courir qui était zone nan ça va continuer sous et Belin li pral passer plusieurs autres côtés encore et c'est chaque fois population qui toujours a cherché un moyen pour sortir tête li pendant que autorité yo qui là pour bailler protection et sécurité presque fait bec à terre devant bandi. Donc nous pa konnen ki l'autre zone qui pral devenu territoire perdu nan jou k'ap vini la yo. Responsable programme nan RNDDH la Marie Rosie Auguste du Sénat li ra poursuiv pou l di nan dossier carrefour feu lan ak sa vann pistache yo même nan organisation an yo dépassé pendant l'état li même ba tete li satisfaction nan façon la gérer dossier sa pa gen aucun action publique gouvernement mette en mouvement contre chef gang Renel Destina alias Tilapli responsable programme nan RNDDH la reconnaître jou k'après-midi ya gen kay ka boulé nan zone nan côté la police perdi contrôle ka fou fè ak zone ki sou côté li yo même le directeur la police la France LB te fè yon visite nan ka fou fè pendant gang yo te fè yon ti campé sou gros âme ki tap chanté nan zone nan nou invite au côté déclaration directrice programme nan RNDDH la Marie Rosie Auguste du Sénat nan Miko Amos Breville.
qui passé non seulement au niveau de Carrefour fermé dans différents quartiers qui emploient à gang armée, à violence armée. Et bon, comme nous toujours dit, c'est la première fois que nous avons des dirigeants qui sont aussi cyniques que les dirigeants qui, je ne dis pas, ont dirigé le pays. On parle de quantité de monde qui est déplacé ou pas de chiffre exact? Malheureusement, nous-mêmes, au niveau de l'INDEDAS, nous n'avons pas de mécanisme pour capable de contrôler la quantité de monde qui est déplacé. Mais je nous dis, non seulement il y a des cellules qui allaient dans le site et d'hébergement, site d'accueil, et que ça soit place publique, l'école, l'église, et gymnasium Vincent, et même au niveau de yon nightclub, nous étions censés des monde qui étaient allés là, mais il y a un pile tout qui dépassait et sous ville de province. Bon, côté pas nous, nous pas capables de dire combien, cependant, nous quand même capables de dire que c'est des milliers de familles qui déplaçaient, en tenant compte que les n'a parlé de yon famille, n'a parlé de au minimum 5 monde. Oui, mais nous pas recensé en quel monde comme Bouya Tapkouri qui était dans le cimetière de Port-au-Prince. Nous-mêmes, c'est des informations que nous entendons parler de lui au niveau de la presse. Nous connaissons que il y a un pile reportage qui fait sous ça, mais nous pensons tout que c'est très, très possible dans la mesure où c'était déjà bien avant l'événement Kafoufeyo que tu as des monde qui sont dans situation, dans des conditions difficiles, qui vivent dans des conditions difficiles, qui étaient déjà allés dans le cimetière et Port-au-Prince. Donc, ça avait dit, je dis à plus encore, c'est possible. Mais... Je côté n'a pas la voilà là, pas grand pile temps de ça, nous remarquons qu'il y a un gros la fumée qui a plevé dans la zone qui a fait là. Oui. C'est-à-dire c'est caille qui a boulé. Oui, effectivement. Pour nous, même selon l'information que nous avons, c'est que Redio toujours continue à faire sous Kafoufeyo. Compter sous calmi qui gagne pour courir à la caille, pour y aller prendre quelques affaires, eh bien, c'est des mondes qui sont victimes en haut toujours dans différents raids que nous avons parlé là. Même gens tout, nous connaissons que y a un caille qui continue à bouler. Et même gens tout, jusqu'à matin, nous même avons des mondes, des proches de victimes qui fait nous connaître que gagne des mondes dans famille. Yo, qui te a essayé de retourner dans la zone, à regarder si yo capable recueillir des trois bagailles la caillou, que yo ta même que bandit ta même kidnappé. Dossier Kafoufeyo la vint un casse-tête chinois, non seulement pour l'État, mais pour des gens qui a observé des organisations de la société civile là. Pour nous même au niveau de l'organisation de la société civile, certainement nous dépasser par qualité violence qui a déferlé un peu partout dans le pays, mais particulièrement depuis 4 août sous Kafoufeyo, même si nous connaissons que violence, attaque été plus intensifiée dans 12 août 2023. Cependant, sous ça qui vient à l'État, ça nous a dit c'est que en fait autorité l'État a fait manger sur ça qui a passé au niveau de Kafoufeyo là. Jusqu'à présent c'est du bout des lèvres que yo reconnaît que effectivement gagne événement ça, violence ça au niveau de Kafoufeyo, attaque armée ça yo. Et jusqu'à présent tout nous et que nous bien besoin de baïte yo par rapport à la façon que a géré et dossier que jusqu'à présent on en a parlé là, nous pas qu'on est qui ça conséquence Kafoufeyo qui nous met pour tout reste département de l'Ouest là, parce que nous vivons dans le département de l'Ouest là, nous connaît par exemple qui Jean Sonio est très contigu, même Jean tout nous pensait que autorité policière n'a pas fait suffisamment pour ta reprendre contrôle au niveau de Kafoufeyo. Nous pas parler là de quelques agents la police qui avec quelques meg moyens en main essayer résister, n'a parlé de institution la police là, c'est-à-dire au niveau de Conseil supérieur national là qui pour ta doué établi une manière pour yo reprendre contrôle Kafoufeyo et pas seulement Kafoufeyo de différents territoires ça actuel ministre justice la madame Emily Prophète te facilement dit que c'est des territoires perdus ça vient tourner et vie de tous les jours non. C'est de territoire perdu en territoire perdu seulement et que nous avons évolué et ça dit dommage donc ça veut dire que c'est vrai dans une main nous même dans organisation droit moun yo organisation féministe nous dépassé par les événements parce que nous pas prêt pour nous accueillir et accompagner autant de monde qui victimes de bandits armés mais dans l'autre main autorité l'état yo pas fait mouvement contre Nel Destina alias Tilapli que tout le monde connaît qui dans tête team ascenseur qui c'est gang qui a fait différents raids ou tap kote déclaration directrice programme nan RNDDH lan Marie Rosie Auguste du Sénat li même qui tap parlé pour di nan dossier Kafoufeyo ak savane pistache la yo même nan organisation droit femme ak droit moun yo dépassé alors que l'état li même bay tête li satisfaction nan façon d'ap gérer dossier ça li regrette pa gen aucune action publique gouvernement mette en mouvement contre chef gang Renel Destina alias Tilapli. Les familles Lavalas qui dénoncent phénomène insécurité qui établi dans le pays côté population en participant victime en bas nègre exam dans un point de presse jeudi 12 septembre dans local fondation Aristide pour démocratie
coordonnatrice famille Lavalas là, docteur Maryse Narcisse, ce qu'on est depuis commencement année 2023, violence à crime gang continue à augmenter chaque jour et plus. Il dit qu'il y a plus passé 2500 monde qui mouri, plus passé 1000 autres blessés avec 970 cas kidnappés, était sous l'autre action malhonnête nèg exam yo commet. Coordonnatrice famille Lavalas là déclaré gang yo vinn pi agressif, les yo appuyé sous l'état pour craser, briser, kidnapper innocent, simuler intérêt Jean yo vle. Li di situation ça montré pa gen l'état pour garantir sécurité, la vie ak bien tout citoyen dans pays a. Et dans sens ça, dirigeant politique la mandé population pour changer système là. Pour sans suspendre couler, faut que nous avions chaudière. Il était profité rappeler date 11 septembre 88 là qui ça symbolisé pour eux-mêmes dans famille Lavalas. N'a côté Lavalas docteur Maryse Narcisse qui a parlé dans micro la presse dit gros parents est là pour radio Kiskeya. Hier 11 septembre fait 35 l'année depuis criminel qui est rentré dans l'église Saint-Jean Bosco pour poignarder, massacrer en pile monde. 11 septembre 93, criminel yo t'a parlé boissant Antoine Pismeri dans l'église Sacré-Cœur toujours. Pour arriver aujourd'hui, système là pas suspendre fesse sans peuple à couler. Famille Lavalas condamné à toute force li, camion insécurité qui lague sans frein, qui continue à simayer la mort, la caille population à travers tout pays. Famille Lavalas, pap j'aimerais te bois croisé devant un moué, maman et papa petite, qui pas bouqué relé après tout massacre sa yo qui fait dans Cafoufeuille, Solino, Canaran, Belay, Delma, Taba et La Prière. Depuis commencement année 2023, violence à crime gangue continue à augmenter chaque jour plus plus. Ça déjà fait plus passer 2500 moun mouri, plus que 1000 moun qui blessés, ak 970 kidnapping, sans côté Kadejak, Kayo Boulé, ak l'autre bien malheureux ak malheureux qui détruit. Tout crime sa yo, la cause, yon bon ak yon paquet maman ak papa petit, levé kouri ki te katye la kayo. Après plusieurs dizaines de milliers d'autres qui te getan kouri ki te la kayo, dans le dernier jour sa yo encore, plus passe 25 000 moun lage de bras balancés dans la rue. Place publique, l'école publique ak cimetière qui servit majorité la dayo côté pour abriter gang sa yo vini pi agressif les yo pi sous l'état pour craser briser kidnapper innocent simer la terreur les ou vle jan ou vle tragédie ça montré à clair pa gen l'état pour garantir sécurité la vie à bien citoyen pays côté situation tout monde dans pays a vini pi mal chaque jour li clair. Nous devons changer le système pour sans suspendre couler en d'un pays. Jean, famille Lavalas, c'est toujours dit, il faut que nous chavirions chaudière pour enfin tout Haïtien sans distinction joindre la vie. Ça fait longtemps, famille Lavalas dit, c'est le système de corruption même qui pourrit. Insécurité inacceptable. Ça, c'est manifestation système de corruption même. Cancer, insécurité, ça empoisonner la vie tout le monde dans toute société. Solution, ma connaît, à décision nous devons prendre ensemble pour bailler gouvernance pays, une autre orientation. Pas gagner aucun secteur dans la société qui a résoudre crise planifiée ça pour contre. Sans peuple, pas jouer rôle. Pour nous sortir dans l'enfer sur la terre, il faut gagner un autre mode de l'État. Il faut que l'État respecte tout le monde gagner. Droit pour tout le monde manger, droit pour nous jouer un bon hôpital, bon école, bon caille, droit pour tout le monde vivre en paix. Pour arriver là, il faut que nous entendions pour établir sécurité tout partout dans le pays. Oui, délivrance Haïti, nous mène nous tous nous-mêmes haïtiens. On a écouté déclaration et docteur Maryse Narcisse fait dans le cadre d'un point de presse côté dans le local parti. Local Fraction Accès pour Démocratie, coordonnatrice famille Lavalas là, qui dénonçait actes violence qui continuait à augmenter et c'est ça à partir depuis le commencement année 2023. Ça, la famille Lavalas qui parlait de environ 2500 monde qui mourit, plus passé 1000 autres qui blessés avec 970 cas kidnapping. Qui enregistré mettait sous l'autre action malhonnête nèg exam yo fait li kwè bandi yo vinn pi agressif lè yo appuyé sous l'état pour craser briser kidnapper innocent
et semer l'intérêt pour Maryse Nancy. Ça qui a pi bon, c'est que population a limité ensemble tout le monde pour capable de changer système nan, pour 106 points coulés. D'après ça, il faut que Chaudière li chavire. Ancien sénateur Sorel Jacinthe qui a supporté pour voir de facto à agent exécutif intérimaire Jérémien Tama Pierre Fontaine, responsable Roche qui voyait hier lundi 11 septembre sous délégation premier ministre en occasion lancement officiel activité l'école là dans commune. Dans une interview li bay radio Kiskeya jeudi mardi, il fait connaître c'est pour dossier ancien sénateur Guy Philippe gouvernement pas compté bay ancien prisonnier à document voyage pour rentrer Haïti. C'est ça qui à la base action agent exécutif intérimaire. Il profitait annoncé gouvernement par compter by Guy Philippe document pour rentrer Haïti. Dirigeant unité a profité minimiser incident qui passait lundi à Nan Jérémy. En côté réaction, ancien sénateur Sorel Jacinthe Nanko Hervé Noël. C'est un incident vraiment là nous saute à l'aéroport. Même si vous pays, vous radio qui se pour vous-même. Mais je dis à vous imaginez et qui est-ce monde qui est organisé vous là? C'est un magistrat qui est dans le cartel magistrat Jérémien qui organise question ça, qui est le Tama et qui font vidéo, qui parle et qui dit que c'est l'excel. Donc maintenant, qui ça vous prioriser? Prioriser et yon délinquant malheureusement, yon mette en don cartel qui fait exactement ça que le fait. Nous sommes capables de dire c'est la caille, pas caille. Mais comment le faire en don cartel là? Premier ministre, il n'y a pas de pas juger bon. Le fait que mon an et pour le tal retirer la cartel là, il te fait ça en première fois, il refait ça en deuxième fois, avec même comme l'État. C'est exactement ça que fait là, oui. Mais ça, moi-même, je n'ai rien que nous retenir. Il y a deux écoles, une école fondamentale qui a 14 salles de classe, qui a un concours, qui a normalement toilette bien faite, que tout le monde le considère comme un palais, à chaque fois, l'on habitation et les pitouches, l'autre habitation et les. Et les Lifrans, troisième section de Jérémy et troisième section de qui est le Ravinachal qui dans la commune Marfran. Je pense que c'est ça pour nous retenir, c'est ça pour nous comprendre. Ce n'est pas un incident qui passe, un incident de parcours. Parce que je pense que l'école là, ça n'a pas fait la structure éducationnelle, n'a pas mis en place. C'est ça que quelques pays qui ont développé, pas un pays sans éducation. Action, ça, vous parlez de l'agent exécutif et Jérémy en t'a posé, c'est qui ça qui est à la base de ça, pour qui mobile? Mobile Guy Philippe. Parce que moi, je ne comprends pas moi-même un homme qui a plaidé coupable. Un homme qui lui-même, oui que l'était dans la drogue, oui que l'était dans le blanchiment, il était gagné 9 ans, il y a 3 ans pour l'ignorer tout le monde, parce que l'était bon conduite plus ou moins, donc il y a la gueule qu'on y a, pour aujourd'hui, pour y'a mettre une sensibilisation, une question de communication de presse de y'a, que moi tout le monde branché, parce que je ne sais pas. Le fait que l'extradon mon lui-même lui prend prison, conduite lui fait que Abralvo et Vini après 6 ans, je vous dis à la demande des bagailles officielles, il faut évoluer passeport diplomatique, il faut évoluer ceci. Vous croyez que la bagaille automatiquement, au fin de QG, peine au fin d'extradon, il y a déporté. Je ne crois que ça a besoin de visa, je ne crois que ça a besoin aucun dossier. Ça a besoin de dossier que vous êtes sur vous, vous êtes extradon, vous êtes tout non. Donc, le dossier, ça vous remettre. Donc, même parce que. Donc, gouvernement pas compté, gouvernement pas compté, bah, monsieur et papier. Mais écoutez, tout le monde est extradé, pas besoin de l'homme, non, tout le monde est extradé. Il y a un qui est directeur, il y a un qui est chef, il y a un qui est gros autorité. Il y a déporté. Donc, qui papier a besoin? Il y a besoin seulement, il y a un long avion et puis l'on vit, il y a remettre soit à SDPJ, soit à ministre de la justice. Et puis le gouvernement va le connaître exactement ce qu'il a fait. Le météo long avion, c'est comme ça a toujours fait. Donc, bah ouais, pour qui ça que cette tempête dans ce verre d'eau. Voilà, nous sommes de côté, déclaration ancien sénateur Sorel Jacinthe, qui a supporté premier ministre de facto Ariel Henry, qui a essayé de façon de comprendre ce qui a passé à Napoléon. Rappelé Feyo, c'est pendant chef gouvernement pour aller inaugurer, ou du moins se lancer. Officiellement rentrer l'école l'année académique 2023-2024 là cortège là essuyé quelques coups de roche à côte bouteille d'après information qui était venue joindre nous bien Sorel Jacinthe dit c'est un magistrat même un agent
intérimaire exécutif là qui est supposé représenter chef gouvernement de facto, il dit c'est lui-même, c'est gros accusation le fait, qui prend l'argent de l'État pour que lui capable de faire des ordres d'après ça, sur Jean Saint déclaré. Dans le premier coup de